Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur Uncharted Territory 3. Merci pour mon accent magnifique, hein, comme nous le reconnaissons tous. Donc, nous sommes en compagnie de moi-même, Mortak, clan héros sinon, en jeu. Mais il est très bien mon accent. Il y a Seychelles, ici présent, Epeforth, ici présent, et Screedid, Scrimouille, ici présent. Arnaud. Donc, nous sommes ici pour faire une map aventure, comme nous l'avons dit juste avant, Uncharted Territory 3. Donc, nous sommes dans la zone de spawn, tout simplement. Donc déjà faites coucou pour dire que vous êtes tous vivants. Coucou. Voilà. Vous êtes tous là de votre propre avis, hein? Vous n'êtes pas menacés par des armes à feu, n'est-ce pas? Hein? Ouais. Oui, attends 2 secondes, il faut juste qu'il recharge à côté. Ok, parfait. Tout va bien alors. Scrimouille, toi qui as un accent magnifique en anglais, vas-y, lis-nous les petits tableaux. Pas un bon accent. Welcome to Uncharted Territory 3. This is the spawning area. Please use the teleporter to begin the map. Making use of this room or its material is cheating. En gros, c'est une jolie map, bienvenue, je vous aime et ne vous donnez pas des matos. C'est pas ça. Si, 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 je veux dire, c'est ça. bon, après, il dit bienvenue sur la map, que c'est la zone de spawn, hein. Ça, je crois qu'on a tous compris. Non, c'est quoi ici? Non, c'est... Non, Non. ici c'est l'arène, tu vois, il y avait des Ouais, millions de on va zombies qui ont spawné. t'expliquer. Voilà, attends, reste ici, par ici. Ah non, je peux pas péter les trucs, Bon, c'est le trop triste. PVP désactivé, hein, et puis vous évitez de vous massacrer. Oh, Ok. d'accord. Donc après on a ici un compteur de morte qui est activé, peut-être. Oui. Ouais. Et donc c'est bon, on a juste à cliquer pour y aller. Voilà. Et let's go. Wouh, c'est bon. Attention, partez pas tout de suite, il y a un panneau de règles ici. Alors, voyons voir. D'accord. Donc merci à Amlup d'avoir fait cette map. C'est C'est lui bien. qui l'a fait apparemment. Oui, Très bien, tout à merci. fait. Alors, il faut trouver le monument en laine et le finir. Oui, c'est bien. Au moins easy, pas de peaceful. On a quelle Bien, voilà. difficulté pour savoir? Non, quoi, oui, c'est ça. Easy, je crois. J'ai pas forcé sur la difficulté. D'accord, Et tu vas voir, c'est déjà bien suffisant. donc Donc, ça devrait pas quitter la map. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas utiliser ni les moutons, ni les fils de laine, ni les fils d'araignée, ni teindre la laine que l'on trouve. aller. Il D'accord. faut survivre de quelque manière que ce soit. Ça va être un petit peu dur, mais ça devrait le faire. Je pense que ça va être le plus dur même. Voilà. Alors, dans le bouquin des règles Minecraft The additionnelles. Metablock for the WM. Vous devrez crafter un bloc d'iron pour WM. Vous Peut-être un le villageois. monument, ça va être le monument de victoire. Peut-être, ouais. Pay you spider string wool for none. Ah, c'est peut-être pour le monument, voilà. C'est-à-dire on peut utiliser éventuellement la laine qu'on créera pour. Et c'est Morta qui a récupéré les règles Les trucs supplémentaires. additionnels qui dit alors le premier qu'on peut purifier les villageois et les utiliser, c'est autorisé, et qu'on a le droit de faire du trading, donc du commerce avec eux. On n'a pas le droit de changer de place, de crafter ou de casser les ender chests, donc apparemment il y a des ender chests qui sont déjà placés. On a le droit de jouer avec par contre, hein, forcément, ceux qui sont déjà placés, logique. Après, on n'a pas le droit de quitter la map, on n'a pas le droit d'aller plus loin que les limites de la map, ce serait très chier. Et il est recommandé d'enlever les nuages. D'accord, très Ouais. bien, on prend les nuages alors. The setting, comme ça. Ah, t'as le soleil en Bon! plein milieu. Ok. Y a un coffre ici au cas où. On est con, Ah ouais, ouais. il y a des coffres de partout. C'est déjà bien. Et ici aussi, y a un truc. Alors tout peut servir d'arme, hein. Ah oui, littéralement Absolument oui. tout. Même un bateau, Et je vais dire, moi. c'est pas trop. Putain, Par il s'est tout contre, voilà, c'est bon, piqué, ça a déjà été pété là. lui. Qui veut de la bouffe? Alors Non. tiens, il y a encore des règles là. Oh, Non, ça c'est c'est des bon ça. remerciements. Eh Spécial ben c'est bon, merci. ils ont tout pris. Putain, il pique toutes les torches. Il pique tous les coffres. Les torches, les capteurs. Et moi, je pique tous les champignons. Hein? Oh, il y a la bouffe. Eh, j'ai Ouais, pas ça la. c'est une bonne idée, champignons et tout ce qui nourrit. J'ai pas l'habitude avec un FOV de 60, c'est C'est un dingue. arbre. C'est Pas ouh. pire. Il y a Bon, une déjà touche que explorer un peu j'active. la zone d'arrivée. Oh, des pastèques. Par contre, péter les livres, souvent il y a des trucs derrière. Ouais. Oh.
Donc nous en fait on a testé ouais, c'est qu'on a déjà fait un tour hein, sur la map avant pour tester, voir s'il y avait du monde. C'est ça. En gros, on a fait un donjon. Et on a mis 3 heures à faire le donjon. D'accord. Ah. Et récupérer le bois aussi. Oui, on a récupéré du bois. Des pastèques, moi. Ouais. Ouais, pastèques, bois, faut tout récupérer, faut pas hésiter. Ah oui, faut tout utiliser. Je vous conseille de ne pas courir, parce que comme vous l'avez remarqué, la bouffe n'est pas hyper répandue. Mais il y a juste des zombies qui arrivent, c'est tout. Ah, ah. Non, Ouais, par contre, il y a du spawner de partout. Ouais. C'est moi qui ai les torches, si vous voulez. Non, mais les torches, vous les gardez et continuez tout droit, pour l'instant. Moi, je les laisse fighter avec des zombies, bon, moi, là, je vais pas faire longtemps avec mon arme, hein. Ouais, mais c'est une hache en bois, attends, ça fait déjà des dégâts. Oui, il est une hache en bois. J'ai même pas d'hache, j'ai un bout de bois, moi. Littéralement, j'ai un bâton. Mais c'est un bon début. Y'a ça ouais. Oh, je trouve un spawner. Oh, bizarrement. Bah voilà, tu vas voir le spawner. Quelqu'un a une pioche ou pas? Très bien, si vous passiez pas devant. Non, mais. Il y aura jamais en fait. Ici, il faut être très patient. Ouais, bon, en gros, je vais. Bon, attends, je cover, pété le truc. J'étais en train de me faire. De faire une crafting table là. C'est déjà bien. Fait. Je serais pas contre avoir un peu de bouffe là si ça vous dérangerait pas. En fait, si ça me dérange. Et voilà. Attends, tiens, voilà. Prends la pastèque. J'ai pas envie de mourir tout de suite, ça serait tiens, sympa. La pastèque. Oh, tu seras la première mort, c'est bien. Merci. Ouais, first blood, ouais, super. Faut toujours en premier. Ouais, y'a des champignons partout. Moi j'aime bien la Rotten Flesh. Oh putain, ça spawn d'en haut, ça spawn d'en haut. Bah écoutez, je vous conseille limite de rusher comme des porcs, hein. Yeah. Wouah, comment j'ai tué. De récupérer le chantier aussi, tiens, ça peut être intéressant. Totalement. Spam click. Bon, on va peut-être avancer un peu plus vite là plutôt que de traîner. Ouais, moi je récupère de la bouffe. Ouais, je récupère la bouffe que je trouve. Okay, en espérant ne pas me faire chasser par du. T'inquiète, c'est tout sur moi là. Allez, je te les laisse. Oh, sympa. Tu es gentil. Ah, oui, il y en a un peu. Pas beaucoup. Oh, c'est bon, je viens de trouver le spawner là, mais. Courage, fuis. Il y a encore. Oh. Squelette, me fait grand bang, c'est mignon. Squelette intéressante, c'est à faire. Hop, squelette. Voilà. Ah, c'était une hache? Une pioche? Ouais, attends, c'est attaqué. Vous pouvez venir distraire pendant que je tape le spawner? 12 secondes. Où est la crafting table? J'en ai une, faut juste que je la pose. Ouais, pas d'attaque. T'attends 2 secondes, c'est jouable. Je ferai des épées. Wouhou! Tiens, ouais, il y en a une qui est posée. Qui a besoin d'épée? Putain, il me reste un demi-coeur. Vite. Tac. Bon, je vais en faire 4, comme ça il y aura de quoi faire. Tac. Oh, une patate! Voilà, moi je m'en suis fait. Ah, ouais, t'as récupéré une patate? Bien. Ouais, mais je vais la garder, la patate. Attends, épée. Tiens, une épée pour épée. Hop. Merci bien. Bon, écoutez, moi je peine vraiment à récupérer des points de vie, c'est une horreur. Et c'est que le commencement. C'est ça. Ouais, je sais. Mais bon, là faut dire qu'uniquement avec des bottes en. Bon. Avec uniquement des bottes en cuir, je peux aller bien loin non plus. Oh, attends, il y a un spawner ici. Un petit peu, ouais. Spawner un squelette. Oulol. Vite. Bah pourquoi tu dis lol s'il y a des squelettes? Non, il y a des. Mais c'est marrant les squelettes. Barre-toi de là. Oh bah oui, je suis très vulgaire. Désolé pour toutes les familles et tout, mais je suis très vulgaire. Ah, mais non, voyons. Earthblood. Interdit au moins de 18 ans, hein, ça c'est dit. Hein. Putain, voilà, je me fais shoot. J'essaye de récupérer le contenu d'un coffre, je me fais shoot. Bon, t'inquiète, moi je suis mort aussi. Hein. Je suis le premier à être mort, trop bien. Comment vas-tu, toi en bas? Ça va? Moi je suis en train de manger rotten flèche. Moi je suis en train de péter un spawner à la main. Ah, c'est pas mal ça. Spawner de quoi? Et puis regardez bien en hauteur, il y a souvent des.
des coffres en hauteur. Là, je sais que j'en ai raté un parce que bon, j'ai pas pu l'avoir. Je me suis fait shooter avant. Bizarrement. Oh, il y a du champi dans le coin. Champi, champi. Voilà. Oh, il y a un spawner ici. Wouah! La phase, le coffre. Bon. On est à peu près à 60 blocs de notre point de départ. Putain, cette blague, il y a un coffre qu'on a raté, les mecs. Ah. Oui, ah oui, un coffre qu'on a raté. C'est que j'ai pas pu le récupérer parce que je me suis fait shoot par les mobs et que tout le monde était déjà barré. Justement, moi, le truc, c'est que comme je suis mort, je suis en bas, en fait. Ah, remonte. Ah, je te vois. J'en profite pour récupérer un peu de charbon. En fait, je fuis un petit peu comme une grosse tapiole dans l'idée. Hein. Bonjour, messieurs. Oh, bah, Ludon, épée, allez, tu t'éclates, toi, hein. Ça va. Ouais. Vous venez aller en bas, s'il vous plaît. Eh, des petites bottles. Eh, des bottles of flan. De l'XP, quoi. Épée. Oui. Bah, une épée, je suis là. Viens là. Épée, viens ici. Oui, pourquoi? On a des choses à récupérer en bas. Et il y a un squelette pas loin. Oh, l'attaque! Ok. On continue un peu la montée pour dégager le terrain à l'avance. Bon, éclaireur. Bon, non, tu es. Ah, mais. T'as vu, là-haut, il y a un... Ah oui, je crois qu'il y a des potions, si je me rappelle bien. Je suis plus sûr, hein, mais Putain, j'ai plus de... Mais regarde bien en hauteur, Scrimouille, parfois, il y a des trucs intéressants en hauteur. Ouais, maître. Parfois, des coffres qui traînent, enfin... Un coffre? Y'a quoi dedans? Un peu d'armure, mais ça fait pas de mal. Iron Sword, y'a plus rien. Mushroom soup, tiens, attends, regarde. Tu veux de la bouffe? Non, bouffe, je pense que ça va pour l'instant. Voilà. Oh. Moi, j'ai une épée en fer. Y'a de la bouffe. À moitié usée, mais une épée en fer. Y'a du charbon pour ceux qui veulent. Enfin, pour ceux qui ont une pioche. Donc, j'ai vu des feuilles pour moi. Ouais, je me suis fait une pioche et j'ai récupéré un peu de. Tiens, y'a des trucs au fond. Ressources parce que là. Bah merde, je sais que j'ai des là-bas. Là, y'a un arbre, c'est que j'allais me le faire. Araignée, c'est ton choix. Ouais, bah j'y peux rien si le prince araignée. Ouh, oh, putain. Attention, Seychelles. Va y arriver. Et paf, ça fait des chocs épiques. Quoi, un Seychelles éclaté, ça fait des chocs épiques. Oh putain, oh non. Ouais, c'est des caves. Alors. D'où t'as ton épée en. J'ai trouvé dans le coffre. Par contre, moi, j'ai plus la moindre torche, hein. Mortel, ouais, t'inquiète, je m'occupe. Hop. Bah, je suis en arrière. J'en ai qu'un. J'ai du charbon, mais j'ai pas de torche. Parce que tout simplement, j'ai pas encore le temps d'en crafter. Loul, j'ai trouvé un coffre, le mec. Attends, j'essaie en même temps de péter les spawners que je trouve. Pareil. Oh. C'est quoi comme coffre? Avec de la nourriture. D'accord. Je peux utiliser l'épée en fer pour péter des. Oh putain. Non, c'est pas nécessaire. Là, j'essaie de rééquilibrer mon inventaire parce que j'ai un peu de mal. Hop, hop, hop. Bon, nous on arrive, hein, tranquillement, mais on arrive. Ouais, prenez votre temps. Hein. Merci. Il y a des livres encore. En général, il y a des trucs cachés derrière les livres, donc c'est pour ça que moi je les pète toutes. Ah, bizarrement, j'aime pas l'étoile. Et les A. Ouais. Ouais, pourtant je sais que c'était un peintre plus trop sombre, mais araignée faisait de superbes toiles. Ah. Eh oh, je t'ai rien demandé, toi. Pourquoi tu m'attaques? Si t'aimes, il veut te dire bonjour. Il te souhaite la bienvenue dans ce monde. M'attaque alors que je lui ai rien demandé? Ah non, peut-être pas les petites bleues, finalement. Oula, je crois que j'ai des creepers. Non, c'est pas des creepers. Bref. Moi j'attends de me régénérer un peu, hein. Alors je tiens à préciser aussi dès maintenant, on rencontre beaucoup de spawners, mais il faut savoir que plus tard on a des spawners modifs. Donc on va se prendre des mobs qui ont des équipements, qui ont des caractéristiques ou qui sont physiquement différents des mobs habituels. Et qu'on va s'en prendre plein la tronche, en clair. Ouais, bah par exemple, donc nous on a fait le premier donjon, dans le premier donjon tu as les... le templier de l'ennemi, un truc comme ça. C'est bon, je te couvre. Ce sont des squelettes armés de pieds tout en flamme. C'est sympa. Oh, t'as programme.
Il te lâche de l'équipement en gold avec protection contre les flammes et des armes avec en flammes. Oh bah donc ça va. C'est pas entièrement dégueu. Oh, il y a du champ. C'est Chen, tu peux me faire une table de... Enfin, tu peux poser la table. Table de craft, mon petit. Hein, je te fais confiance pour faire un système pour récupérer les loot des... Hop, putain, j'ai l'équipement trop. Viens ici. Bon, bah okay. Vas-y, fous-moi la main ta mère, moi, je m'en fous. Là, tu veux de la soupe de mèche comme Ça va, j'en ai deux pour l'instant, mais si t'en as en rap, je suis preneur. Mais faut pas en faire trop, parce que très vite, l'inventaire va se remplir, hein. Ouais, bah moi, je suis déjà plein, par exemple. Bonjour, mesdames. Oh, merci pour la soupe. Bon, monsieur. Ce casque en or te scie à merveille. Oh, merci. Ouais, c'est resté qu'on voit les cheaters, hein. Waouh, wow. Y'a du peuple, y'a du monde. Et people. Si on... Voilà, plus de quête. Eh ben voilà, c'est bon. Problème a été réglé. Bon bah, tant pis. Bon, moi j'essaie de voir s'il y a pas des trucs cachés dans les livres, mais... Ça a pas l'air. Quel zombie, tu veux pas descendre? Merde, la patate. La patate est tombée. Oh bah... Ah. Une patate innocente. Et t'as rien fait? Bien, tu... on arrive de l'autre côté du donjon. Araignée, faut pas réactiver. Oh, cette blague! Vous êtes joueur. Cool, on a de la pierre, on pourra avoir de la cobble. Juste comme ça, j'ai découvert un coffre avec de l'équipement et de la boue. C'est cool en si fait. Si vous pouvez venir m'aider à tout ça en fait. Non. Seychelles? Ouais, non, mais là, j'ai pas encore eu le temps de changer mon arme. Vas-y, clic, elle m'a pété dans les mains. Voilà. La table de craft. J'ai la table de craft. La place de la table pour en faire de l'équipe. J'ai plus de bois. Qui est de bois? Ah, bonjour l'araignée. J'en ai. Ça gaze? Deux secondes, scrimouille. Des coffres. Tiens, j'en ai jeté 15 à côté de la table de craft. Nice. Non, l'araignée, tu viens pas me faire chier. T'as trouvé le spawner ou pas? Oui, il y en a trois. Mais il y a des golden, il y a des... un peu autour histoire de calmer la zone et puis je viens avec ce qu'il faut pour répéter. Bah tu peux venir. Ok. Ah, pété, bah c'est fait. Hop, allez, je prends un peu de cobble moi. Voilà, c'est... J'ai eu vaguement de mal. Ouais, c'est des silverfish. C'est qui s'est amusé à péter un... Oh, la pas de merde. Oh les enfoirés. Oh putain, voilà. Alléluia. On a une légère attaque de... De Silverfish. Oh putain. 16. Bon, je crois qu'on les a tous tués. Il y en a encore un certain nombre ici. Et sauf qu'il y a un coffre qui semble très intéressant, il y a encore un spawner à péter. Le coffre, je l'ai vidé. Hein. D'accord. Et il y avait des beaux trucs dedans, d'ailleurs. Comme des pommes en or, par exemple. Il y a un léger zombie à côté de moi. Coucou. Bonjour. Oui, bah en tout cas, moi je m'occupe de sauver ses chaînes. Moi je fais Grismine à côté de mon armure super overfit. Attention, épée. Ah, j'ai plus qu'un demi-cœur. Ah. Et je t'ai prévenu quand même, hein. Tu n'es pas seul, épée. Je bouffe n'importe quoi. Ah non. Coucher. Il y a du beau monde en dessous là. Coucher, méchant. Méchant pas beau. Bon, vous avancez ou pas? Il y a Silverfish coincé dans les atolls d'araignée déjà. Voilà, j'ai plus de pioche en fait, je peux plus péter les spawners. Je suis assez triste. Et l'autre côté où qu'il y avait le spawner d'autres araignées là-bas Ah bah non, il y en a qu'un. Il reste encore un spawner d'araignée. Hein, oh là là. Géant en vert. C'est qui encore? Non. Putain, je vais mourir. Putain de toile d'araignée à 2 balles. Oui, à tes souhaits. Ah. Oula. Toi, tu dégages de l'autre côté, s'il te plaît. Encore. C'est leur fiche. Ah, mais les chiens, j'aurais pas le toucher. Il faut de la bouffe. Tu es pas un c'est leur fiche. Voilà. On peut aussi récupérer quelques toiles d'araignée, ça coûte pas cher et ça permettra de faire de la laine. Et moi j'aime bien les spawners de creeper. Les spawners de creeper, si on peut éviter de les activer, ça serait sympa. Bon bah du coup on va se refaire une épée en bois parce qu'on a que dalle. Hop.
Et toi aussi, t'es un peu dans l'idée. Alors, moi, c'est simple, hein, j'ai jamais plus de la moitié des cœurs qui sont là. C'est ça. C'est sympa. C'est assez dur, il faut l'avouer. Je vais pas continuer sans vous quand même. Hop. Bon, mesdames. Voilà. Non, c'est bon, c'est. Le flèche à travers la tête était. Marta qui a la... Ah oui. Ouais. En pleine tête. Ouais, c'est sympa. Oui, par contre, regardez, c'est que j'ai vu un beau creeper qui attendait là en bas. Bonjour. Ah.